Ok. C'est à ma droite, donc c'est ça. The end. Ok, j'ai fait une erreur. Mince. Alors, on va revenir au début, j'ai fait une erreur quelque part. Exact. Simplement. J'ai simplement oublié ça. Super. Oula. Je crois que j'ai pas compris. Ah putain, d'accord, ok. Alors c'est un tower défense, mais bah oui, logique. Ça, mais ok, pour le moment je suis bon. Ok. Bon, c'était relativement simple. Ça va, il est sain d'esprit, ça veut dire. Thank you for having me as your counsel. Let's examine your current state. But first, I would like a cup of coffee. Ok. Monsieur veut boire une tasse de café. Bon, on a plusieurs éléments qui sont toujours là. Ok, le globe bar est vide.
Mais ça, là, ça, je suis désolé, c'est... Je l'ai vu, enfin j'ai vu un truc... Ok. Bon, ça c'est le test psychologique, c'est la deuxième pièce de mon dossier. Ok, donc j'ai une graine. C'est déjà ça. Est-ce qu'il faut que je la mette en pot? Certainement. Mais oui. Je la mets en pot. Bon, pour le moment, je la mets en pot. On verra après. On va écouter la cassette. Et j'ai encore l'impression que la musique est trop forte. Mr. Vandermeer, I will show you five images. Tell me what you see. One, I see a moth. Two, a crow. Three, murder. Four, fear. Five, I see my corrupted soul. Thank you, Mr. Vandermeer. Alors, j'ai pas tout retenu. Je veux pas récupérer ces éléments-là. Hein. Putain, je peux plus bouger. Ce truc-là. Ok, ça a disparu. Ah, attendez. Oui, ça s'est fermé. Le poisson est toujours là. Quand il y a toujours... C'est bon, c'est normal. Et là, il n'y a rien. Ça, il n'y a rien. Ah, d'accord, ok, il l'a planté aussi là. Donc, peu importe où je le plantais, ça... c'était aux deux endroits. Moi, la seule source de chaleur que j'ai, c'est ça. Alors, au bout d'un moment,
Je suis désolé, le son est vraiment trop fort de la musique. C'est même angoissant. Si je me regarde dans le miroir. Ah, il est là. D'accord. Je peux quand même revenir. Je peux revenir en retirant mon cerveau. Oh putain, mais quelle horreur. Mais quelle horreur. Ouais, je peux pas récupérer l'ancien, mais ça. Ok. Qu'est-ce qui a changé? Il n'y a que ça qui a changé en vrai. Il n'y a que ça, puis y a le fait que je n'ai pas accès à ça. Mais il me faut de l'eau, il me faut. Il me faut des trucs et j'ai pas. Et ça a disparu. Un truc que j'ai pas regardé, c'est ça. Ok, bon, c'est toujours aussi creepy. Pas de soucis. Parce que ça, du coup, ça a changé. 945, non, ça a pas changé. Pouf. Fatigant, hein. Fatigant, fatigant. Ah, d'accord, ok. I would like a cup of coffee. Oh, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ce que je crois. Mais si. À l'aide. Bah alors. Faut que je le moue. Faut. Ah, bordel. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Bon, ça c'est bon. C'est un moulin à moudre.
Et tout ce qui me manque, c'est une source de chaleur. J'espère que je suis pas en train de gâcher la flotte que j'ai. J'espère nettoyer ça, mais c'est pas grave. Du coup, on va essayer sur l'autre. L'autre là. Bon, on va essayer de les assécher, hein. Ok, d'accord. Bah, si j'avais besoin d'eau, je suis dans la merde. Ah non, c'est revenu. D'accord. Donc on a toujours de l'eau. Et bon, juste une source de chaleur, et je sais pas. Il y aurait ça pour. Enfin. Ah, attendez, 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 attendez. Attendez, attendez. Peut-être une idée. Putain, c'est ça. Tasse d'huile. Hop. Ben, il va pas être fameux, à mon avis, hein. Let's find the traumas of your past. Please, complete the tests. Face your darkest memories. Ah, d'accord. Ok.
Donc un S, un carré, un triangle parapluie, un T, un I. Ah merde, j'ai six symboles. Ok. Mr. Vandermeer, I will show you five images. Tell me what you see. One, I see a muff. Two, a crow. Three, murder. Four, fear. Five, I see my corrupted soul. Thank you, Mr. Vandermeer. Ok. Donc, le S c'est en dernier. Le corbeau c'est en 3. Ah, attendez, donc c'est triangle d'abord. Ensuite le corbeau. Attendez, on va le faire comme ça. Donc parapluie, enfin parapluie, carré. Parapluie, carré. Le T. Pour la peur, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais il est pas arachnophobe. Donc pour moi, ce serait ça. Donc ce serait parapluie carré, ce symbole-là, le I. Ensuite le meurtre. Donc le T. Et à la fin le S. Donc déjà, on sait le S, c'est le dernier. J'ai dit parapluie carré, hein. Le T et le I. Ça, c'est ça. On y est. J'ai une ampoule. Ah, les vêtements. Ok. Super. This coffee is too bitter.
En même temps, c'est du café, hein. Alors. Le test psychologique. On a le corbeau. Je sais pas trop ce que ça représente. Mais bon, c'est pas trop grave. Ok, le prochain c'est newspaper article. Donc, on va utiliser pour ça le regard du passé. On va dire regard hein, plutôt que. Alors, c'était celui-là. Hein. Donc, ça c'est. Voilà, esprit du passé. Allons-y. Ok, on n'a pas accès encore à l'autre truc. Là, il y a des. C'est déplaçable. Évidemment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Ok, super. Je sais pas ce que ça m'a apporté. Peut-être que j'ai été trop vite. Ok. It's not time for your present yet. Hello, son. Happy birthday. Please prepare the decorations. Please prepare the decorations. Please prepare the decorations. Oh là là. C'est absolument rien. Alors là, par contre, je vois pas du tout la logique. Si, je l'ai. C'est purement logique. Fait, c'est la forme précédente qu'il faut regarder à chaque fois. Bon, là, ça peut l'air compliqué. Time to party. Please call Mr. Aylander, the magician. Please call Mr. Aylander, the magician. J'ai oublié le numéro. Ben non, c'est un nouveau numéro, c'est un monsieur Un.
C'est ça, hein, c'est Monsieur Highlander, c'est ça qu'il a dit. Hein. 57 671. Et là, ça fait sens maintenant. Good morning, D.A. Linda. Magic show. When will you arrive? I'm already here. Where? In front of the door. There's someone at the door. Ok, super. Is he hiding somewhere? Is he hiding somewhere? It's not time present yet. Voilà, quand on fait un double clic, c'est un peu bizarre. Ok. Putain, c'est ça le traumatisme d'enfance, sérieusement? C'est un magicien qui a foutu les boules, c'est ça? Bordel. Hop, oh, d'accord, ok. Youhou! Look at yourself, son. Look at yourself, son. Cette angoisse. Le meilleur anniversaire de la life, quoi. He is somewhere in the world. Il est quelque part sur Terre. He is somewhere in the world. Ah, super. Faut l'écouter en anglais pour comprendre. Voilà. Super. Merveilleux. Oui, allez, allez, je t'ai. Ok. 5. Where is he? Where is he? Ah, bordel, ok, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et il y en a 4 de trop. Ok. J'ai compris. Faut sélectionner la corne où il y a.
Ok, super. Turn on channel 369. 369. Look behind you. Creepy, mais as fuck ce jeu. Ah. C'est tordu. Time to open your present. Oula. Oulala. Alors, oui, alors, on va peut-être... Oh, mais c'est... Ok, alors ça j'en sais strictement rien. Fermé. Et ça? Article de journal. Ok, d'accord. J'essaie de lire à l'envers, à part ce mot-là qui peut ressembler à Eighth. Je vois pas trop. Bon. On verra. Ça, à mon avis, c'est pour plus tard. Mais déjà, on a l'article de journal. Ah, d'accord. Donc, on a ce symbole-là, c'est le tableau. Attends, attendez. Bah c'est celui qui ressemble au fameux Eighth, justement. Ok. Ok, le... On va dire... RH, on va dire. Le RH, c'est la porte. Que j'ai pas la porte. Donc je sais pas. Il y avait quoi d'autre avec la porte? Un meuble, une petite table. Il y a l'horloge. Donc c'est l'horloge. Non. Non, alors, par contre, je me suis planté, attendez. C'est parce que je me suis planté. Voilà, ok. Ok. Hop. Alors. Birthday Party Massacre. Un enfant de 9 ans, le seul survivant. Super.
On a le faire-part et un dernier flyer. Alors juste on va ouais, attendez, on va juste se mettre d'accord. Donc ça c'est le présent. Ok, donc le passé on va le mettre là-bas. Et ça c'est le futur. Bon allez, on n'a plus rien à faire ici. Alors, qu'est-ce qui nous attend ici? Rien, visiblement. Ok. Ok, on a le flyer et on a une clé. Un seau. Cher Dale, comme dans une partie d'échecs, nous avons tous un rôle à jouer à Rusty Lake. Utilise chacun de tes esprits pour trouver notre place sur l'échiquier. Merci de sceller et renvoyer cette lettre après l'avoir lue. Mr. Hall. Statue de hibou. Ok. Donc on a des choses à faire. Ok, alors j'ai absolument pas choisi où le mettre. Hein. Il s'est mis tout seul. Donc j'ai une clé. J'ai une clé qui peut servir à ouvrir, à mon avis, à ouvrir ça. Exact. Et donc j'ai une bobine de film. Ok. Ok, d'accord. Ok, donc il y a ça. Oh, ça va être chiant. Oh, ça va être chiant. Oh, ça va être bien chiant. Ça ressemble au film, par contre, qu'il y a. Vous l'avez pas vu, mais il y a un film sur sur comment? Ah. Sur Steam. Et ça ressemble beaucoup à ces images-là. Ou en fait c'est le jeu mais enfin ça c'est des images du jeu mais avec des vrais acteurs quoi. Ok, ça m'a l'air pas mal. Je pense que ça comme ça. Non. Là, comme ça. Voilà, ça c'est pas mal. Il me manque juste c'est cette partie-là. Alors, j'ai The End.
et en fait, il faut juste que j'inverse ces deux morceaux-là. Ok. Mais ça a l'air d'être le film... Faut que je passe les séquences, c'est ça? Est-ce qu'il va falloir que je change de d'époque pour faire défiler les choses? Il va peut-être falloir que je revisite les autres époques. On va commencer par sans rien. Ok, qu'est-ce que ça dit là? Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Donc j'ai dû faire quelque chose. Donc j'ai dû faire quelque chose de travers. Mais je peux interagir avec rien là. Bon, je peux interagir avec rien. Du coup. Est-ce que j'avais déposé le flyer? J'ai pas déposé le flyer. Donc on va commencer par ça. De toute façon, c'est pas très très cohérent. Donc, ok. Donc, Lucas, c'est pas ça. Ça, c'est le passé. Y a ça aussi qui est fermé. Je sais pas quoi en faire. Bon. OK. Bon, je sais pas comment on peut passer d'une époque à l'autre. This coffee is too bitter. Non, donc je dois encore avoir des trucs à faire dans le futur. Alors. Donc ça c'est OK.
Ça, pas grand chose à en dire. Ah là là. J'ai plus mon cigare, tiens. Je peux même pas l'arrêter, je peux rien faire. Mince, excusez-moi, j'ai cliqué en dehors du jeu. Mince. C'est quoi le dernier truc? C'était un œuf hein, qu'il nous fallait. Normalement, je suis censé peut-être trouver un œuf. Et là, j'ai personne pour me donner une indication ni rien. J'ai pas encore utilisé l'horloge. Mais j'ai rien qui m'indique une heure, j'ai rien qui m'indique quoi que ce soit, quoi. Il faut. Putain, d'accord, ok, ça y est, j'ai compris. Faut trouver un truc qui est, voilà, qui correspond. Là par exemple. Non, la tête ne correspond pas. Bah, le. Voilà, là en fait, si vous voulez, cette forme-là doit correspondre avec le personnage qu'elle a. Voilà. C'est comme ça que je fais défiler les choses. Ok. Ensuite, j'ai une étagère là. Hop. J'espère que j'ai rien à retenir de. Ça, c'est mon visage. Ok, la montagne en haut. La bouche. Le visage. Statue corrompue. Ok. Alors, j'ai une porte avec les symboles. Va falloir que je retienne ça. Et c'était quoi? C'était une lampe torche, ça, hein? Ah non, c'était la statue corrompue. Ok. Est-ce que ça sera un 8? Auquel cas, ça sera un 8.
Si je regarde la porte. Il y a 12 morceaux divisés en 6, donc ça serait peut-être un 6 ou 4. Pour les 4 carrés. Non, mais ça peut pas être ça. Le globe.